Salut à toutes et à tous les loulous, c'est John, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Blue Snowball Ice. Hein. Donc, faut savoir que c'est un micro-casque qui vaut moins de 60 euros. Je l'ai depuis 2-3 mois et j'en suis très content. Donc là, vous pouvez voir esthétiquement ce que ça donne. Hein, je vous filme avec la caméra, mais il faut savoir que tout ce que je vous dis est enregistré avec le micro. Hein. Je fais un montage en deux parties. Donc, il a la taille d'une pomme. Hein, à peu près, vous voyez par rapport à la taille de ma main. Il est branché en USB, hein, type USB classique. Donc vous voyez que vous pouvez pivoter, enfin plutôt incliner le micro d'avant en arrière. Hein. Donc il faut savoir que par rapport au Blue Snowball classique, le modèle Ice n'a pas les trois modes. Hein. C'est juste un micro cardioïde, c'est-à-dire qui capte le son de votre voix. Il est fourni avec un joli petit trépied qui est modifiable dans le sens où on peut le plier pour le transport. Il est également compatible avec les bras articulés, bien sûr. Donc, faut savoir que là, je l'utilise sans filtre anti-pop. Voilà. Donc, vous avez encore la possibilité de rajouter un filtre anti-pop pour améliorer la qualité du rendu, tout simplement parler plus près du micro sans avoir les bruits de pu de ceux qui sont gênants. Et ben, pour ma part, après 3 mois d'utilisation, j'en suis super content, tant sur le plan esthétique que sur le plan qualitatif. Je pense que vous avez pu voir sur les dernières vidéos de gameplay que j'ai pu faire, la qualité du micro est bien meilleure que ce que j'utilisais avant. Et pour moins de 60 euros, je trouve que l'investissement est valable, vraiment. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, il y a plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris le modèle noir. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais il vous plaît. En tout cas, pour commencer sur YouTube, c'est très bien. Vous n'avez pas un budget limité. C'est 2 fois moins cher, voire 2 fois et demi moins cher qu'un Blue Yeti. Et ça suffit amplement. Ça fait largement, largement le travail, comme vous pouvez l'entendre, hein, bien sûr. Donc, il faut savoir que là, j'utilise le micro avec Audacity et je ne fais aucun réglage. Je ne vais pas faire de réglage ou choses comme ça. J'arrive pas à utiliser Audacity plus que ça. J'enregistre et basta. Donc, il n'y aura pas de gruge là-dessus. Donc, je l'utilise régulièrement pour mes vidéos de gameplay, Xbox One, PS4, vidéo test et tout ça. Via également ma Xbox One, PS4 comme je viens de le dire. Et également mon LGP Lite, hein, que je vais vous montrer un petit peu plus tard sur la vidéo. Je ferai également un test sur le LGP Lite. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, en tout cas sur la qualité du micro ou choses comme ça. Je me ferai un plaisir de vous le dire. En tout cas, pour finir, ce micro est terrible. Il est à moins de 60 euros et il fait super bien le job. Voilà. Je vais vous laisser là. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.